en couture. On យុវជនជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចសម្ដែងការនីតិវិធីសម្ដែងការនៅថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពថ្ងៃនេះគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានសូមកត់សម្គាល់ដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនដែលនៅទីកាំងក្រោមបន្ទប់សកម្មភាពចំណែកឯសាក់សៃស្តេហ្វិនហេដឺលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់បន្តដល់សហគមន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណហើយជាបន្តទៅនេះឲ្យមានផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមវិទ្យាការ ពីការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងទម្រង់ដីដល់ចំពោះសាក់សីសូមផ្អាកបន្តិចសិនលោកស្រីមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនសូមជ័យលោកសាក់សីមុនបាទសូមជ័យលោកស្តីវហេដឺ Very quickly, two offers. If you want me to finish clarifying the factual bases for what I wrote in my book about the relationship between Vietnamese communist doctrine and the communist practice of the two men who are on trial today, I'm happy to do that. Second, if Zilab can pull up the full original text of the quotes that appear in the footnote to Ben Kiernan's book, I'm also happy to clarify, try to clarify the circumstances surrounding their authorship, and in particular the factual bases, as in the facts available to me at that time for the views, the alternative views. I'm quoted correctly, I think, as having stated according to those footnotes. Just offers. បាទអរគុណណាស់លោកស្តីវហេដឺហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបលោកស្តីវហេដឺថាអង្គជំរះមិន
ចាំបាច់ត្រូវការស្ដាប់បន្ថែមលើបញ្ហាដែលលោកសង់សុំបញ្ជាក់នេះទៀតទេហើយអង្គជំនះក៏សូមជម្រាបរំលឹកលោកស៊ីហេដាថាក្នុងនាមលោកជាសាស្ត្រីលោករៀបចំនៅការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់តិក្ខីកម្មនេះធ្វើយ៉ាងណាឆ្លើយឲ្យចំទៅនឹងសំណួរដែលសួរហើយនឹងកម្រិតត្រឹមតែភាពចាំបាច់ទៅនឹងតបទៅនឹងសំណួរបានហើយភាពចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់តបនឹងសំណួរបានហើយវាជាវិងការឆ្លើយវែងអនឡាញវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ពេលវេលាភាគីដែលអង្គជំនះបានកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះសាក់សីក៏ដូចជាសួរចំពោះលោកដែរហើយបើកាន់តែខ្លីហើយឲ្យចំនឹងសំណួរនោះកាន់តែល្អហើយសូមជួយលោកតំណាងថាប្រញ្ញាGood morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning to fellow counsel. Mr. President, I rise at this stage just to say that we have been undertaking a review of the witness statements that it appears that the Khieu Somphone defence team may seek to rely on today. And it appears to us, but we're willing to be corrected, but to take just two examples, E3/392 and E3/393 are not in the revised 12 annex. As has been stated by the court on many occasions, any document to be referred to must be on a party's own Rule 80 list or another party's list. As I say, these, and I anticipate perhaps other documents, are not in revised Annex 12, to whose admission the defence objected. And I would like, please, a direction to the defence in respect of every witness statement they refer to before putting any contents of any witness statement to clarify in open court directly to all the parties and the trial chamber whether the document they seek to rely on is in a Rule 80 list. Thank you. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs de la Chambre, bonjour à l'ensemble des parties. Je pense que la remarque de Monsieur le Procureur est pour le moment un petit peu prématurée. Je ferai en sorte, Monsieur le Président, d'indiquer ce qu'il en est de mes documents. Là, comme ça, les numéros cités par monsieur le procureur ne me disent rien, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci et je compte sur la vigilance de monsieur le coprocureur pour m'interrompre si cela devait être le cas. Avec votre autorisation, monsieur le président, je souhaiterais commencer. Bonjour Monsieur Eder, je me présente, je m'appelle Anta Guissé, je suis un co-avocat international de Monsieur Khieu Somphone et c'est à ce titre que je vais poser quelques questions aujourd'hui. Vous l'avez compris au cours de ces derniers jours, le fait que vous apparaissiez devant nous en tant que simple témoin et non pas en tant qu'expert nous limite dans le type de questions que nous allons que nous pouvons vous poser. C'est dans cette limite stricte que je vais tenter de clarifier certains points et de revoir avec vous certains documents. J'essaierai de le préciser à chacune de mes questions, mais de façon générale, je vous le dis à titre préliminaire, quand je vous pose des questions sur des entretiens, quand je pose des questions de façon générale, je vous demande de bien répondre en fonction de ce que vous avez personnellement expérimenté lorsque vous étiez au Cambodge, ce que vous avez personnellement expérimenté ou eu à avoir comme information dans le cadre
de vos enquêtes, que ce soit dans le cadre de vos recherches pour vos articles ou dans le cadre de votre travail au sein du bureau des coachs d'instruction ou au sein des bureaux, du bureau des coprocureurs. Donc, à chaque fois, toujours une base factuelle, pas d'opinion, simplement des choses en fonction des éléments que vous avez personnellement revus. Je vous le dis, je peux oublier dans le cadre d'une de mes questions de vous le redire, mais sachez que le principe, c'est ça. Ma première série de questions a trait à votre période au Cambodge entre mai 73 et le 11 avril 75. Vous avez indiqué que vous étiez présent, en tout cas à Phnom Penh, et vous avez indiqué, c'était à l'audience du 11 juillet 2013, un petit peu après 13h46, que vous étiez arrivé au moment où on annonçait la fin officielle des bombardements américains pour le mois d'août 73. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition et est-ce que j'ai bien compris que vous êtes arrivé à Phnom Penh en mai 73, c'est-à-dire avant la fin des bombardements? Yes, with one clarification that when I arrived, the bombing was still going on. My recollection is that by that time, or shortly thereafter, the U.S. Congress legally ordered a halt to the bombing, but the actual end to the bombing didn't occur until the 15th of August, 1973. Je comprends de votre réponse que vous avez personnellement assisté à des bombardements. I can't say that I was in the proximity of the immediate proximity of the dropping of bombs by the U.S. Air Force before that halted in August 1973, wrong century. But if you lived, as I did, as I described, on the southwest outskirts of Phnom Penh, when, in particular, B-52 strikes were being carried out, the shock waves of the bombing were sufficient to sway the house in which I was living. So, and the sound of the bombing, both southwest of town and north of town and south of town and east of town, was all very audible. One could sit on the top of the Monorome Hotel on Monorome Boulevard, then what it's called now, and from the roof one could see the flashes of the strikes occurring in all directions around town, particularly at night when it was highly visible. Je vous remercie de ces précisions. Est-ce que après avoir su que des bombardements avaient lieu dans telle ou telle région, vous avez été dans le cadre de votre travail de journaliste de l'époque, été amené à vous déplacer dans une région après qu'il y ait eu ces bombardements. Est-ce que vous avez pu constater de vos yeux la situation d'un endroit, d'une région où il y avait eu des bombardements de B-52? Since the overwhelming majority of the bombing was in areas controlled by the Khmer Rouge, I didn't visit them. And I suppose if I had, I wouldn't be here today. So the answer is no. Juste un petit arrêt, Monsieur le Président, grâce à la vigilance de mon équipe, je peux
déjà présent indiqué à Monsieur le co-procureur que les deux déclarations qu'il a citées, E3-392 et E3-393, sont bien sur la liste des procureurs, règle 83D, et c'est à la page 79 du document E109-4.12. Donc ça, c'est pour permettre à Monsieur le co-procureur de vérifier s'il le souhaite dans l'intervalle. Mr. President, just so it's clear, that is not the right list. That is reference to the initial list and not to the revised list. So is it on the revised list, not the original list? Et deuxième point de clarification, et là je retournerai vers Monsieur le témoin. Il me semble que la jurisprudence de la Chambre, et ce serait peut-être bien qu'elle me corrige à cet effet, avait indiqué que nous pouvions, dans le cadre d'interrogatoire, utiliser tous les documents E3. Et que les documents qui n'avaient pas de numéro E3, eux, effectivement, devaient absolument avoir été placés sur la liste des parties. Donc, c'est une question que je soumets à la Chambre. Je ne sais pas si elle souhaite répondre tout de suite. En tout état de cause, a priori, je n'entends pas utiliser ces documents dans la première partie de mon interrogatoire. Donc, peut-être voudriez-vous avoir le temps de délibérer, de vérifier pendant la pause, et je mets ces documents de côté pour le moment. Excusez-moi, Monsieur Eder, j'en reviens au point où j'en étais. Toujours à l'audience du 11 juillet 2013, un petit peu après 14h10, vous avez indiqué que vous aviez des moyens d'avoir des sources militaires, et vous aviez notamment évoqué un attaché militaire japonais. Ma question est la suivante. Après la fin des bombardements américains, est-ce que vous savez si les forces de l'ONU, les forces gouvernementales Khmer, avaient eux-mêmes une flotte aérienne? Est-ce que vos renseignements auprès de cet attaché militaire ou d'une quelconque autre source vous ont donné ces informations? Mr. President, repetitious, this question was answered twice during the course of Mr. Heather's testimony about the Lon Nol Air Force. It's repetitious. It's going to exactly the same ground that Mr. Heather has already covered an answer. It's not clarifying, it's repeating. Très bien, si ça a été répondu, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez me préciser quelles sont les sources, quelles sont vos sources militaires qui vous ont évoqué les forces aériennes de Lon Nol? Well, first and foremost, officers of the Khmer Republic Air Force itself. Second, primarily U.S. military personnel attached to the U.S. Embassy previously described, and also indeed the Japanese military attaché, and I would add almost certainly other military attachés, particularly the Thai and the Singaporeans and the Malaysians were among those to whom I frequently spoke. But my recollection is that the Japanese and the Americans had or made, were willing to make available the most detailed and specific information. Vous avez évoqué avec mon confrère Copé un journaliste du nom de Sydney Schoenberg en indiquant que vous n'aviez pas forcément
des relations étroites avec lui, mais que vous le connaissiez. Celui-ci a déposé à l'audience du 7 juin dernier et a évoqué un bombardement effectué par les troupes de l'ONOL dans le cadre à la fois de sa déposition et à la fois de son journal qu'il avait mis à la disposition de la Chambre des partis et à l'attention de ces derniers. Il s'agit du document D226-1-4-3. Point 1 à la date du 1er mars, à la date d'entrée du 1er mars dans son journal. Vous étiez, selon les dates que vous nous avez données, à Phnom Penh le 1er mars. Est-ce que vous vous souvenez d'un bombardement aérien à cette date-là? Mr. President, it seems that sloppiness does not just affect one defense team. It's endemic. If a reference is being made to Sidney Schamberg's testimony, can we please have a page, an ERN, or a timing for that document, and the specific passage quoted to the witness? Secondly, if we have reference to a document, can we please have a specific passage from the document that's been put to the witness? This is the typical way in which this side questions. They package together multiple sources without giving references and then ask questions based upon it. It is imprecise advocacy. It is not advocacy which should be the gold standard for this court. I say it now so that hopefully a more professional approach can be developed. It is not enough simply to package various things together and then ask general questions. Do you remember some bombing? On which date? Of which area? At what time? It's imprecise, it's sloppy, and it should not be tolerated. Bien, je vois qu'aujourd'hui, Monsieur le coprocureur est en mission pour, à chaque question que je pose, faire une objection. Très bien, si nous devons continuer comme ça, on va le faire. J'ai conscience que la Chambre m'a accordé un temps extrêmement limité. J'essaye de faire les choses correctement. Par rapport à l'objection précise, qui est de dire que oui, nous devons donner les références. Oui, j'ai donné les références du document. Il s'agit de l'audience du 7 juin 2013. C'est le PV d'audience de Sidney Schamberg, E1-203.1. Et je parle du document D226-1-4-3.1. L'ERN existe en anglais, comme vous le savez, et comme l'ensemble des partis le savent, puisqu'il s'agissait de notes qui ont été fournies tardivement par M. Schamberg. Et l'ERN en anglais est le 089-8227. La raison pour laquelle je ne me suis pas étendue sur ces ERN, c'est que je n'avais pas l'intention de montrer ce document aux témoins, mais que je donnais ces références simplement pour que les partis et la Chambre puissent suivre et savoir de quoi je parle et de quelle période je parle. Nous avons parlé de façon étendue de la question avec M. Schamberg. Ma seule question, qui était de resituer dans le contexte pour les parties, pour la Chambre et ainsi que pour les témoins, était simplement de donner les références. J'aurais pas simplement pu lui dire le 1er mars, vous étiez à Phnom Penh en 1975. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir assisté à des bombardements? J'aurais pu poser cette question, elle aurait été valide. J'ai essayé de donner des précisions supplémentaires. Maintenant, je tiens simplement à informer la Chambre que j'ai beaucoup de références
transparence, ça prend du temps. Et si Monsieur le co-procureur entend à chaque question que je fais faire une objection, nous n'allons pas nous en sortir. Et c'est clair que je ne pourrai pas terminer aujourd'hui si nous continuons sur ce rythme. C'est une précision que je tenais à faire. Maintenant, est-ce que je suis autorisé à continuer, Monsieur le Président ? Mr. President, all I've asked for is the time reference in the transcript of Sidney Schomburg's testimony on the 7th of June so that you know what we're talking about and we know what we're talking about. What is the time marking on Sidney Schomburg's transcript? Je vous la fournirai. Je n'ai pas l'indicateur temporel, mais j'ai la référence et je vous ai donné l'URL en anglais et vous pouvez vous y référer. Il s'agit du D226-1-4-3.1. ORN en anglais 0898227. Cette précision étant faite, c'est la date d'entrée du 1er mars 1975 et c'est à ce 1er mars 1975 que M. Sidney Schomburg évoque ce bombardement du 1er mars. Mr. President, ដោះស្រាយលើបញ្ហានេះបានច្បាស់លាស់ហើយប្រសិនបើពុំដូច្នោះទេហាក់ដែលការដេញដោលនេះអាចទៅមុខបានទេហើយប្រហែលជាមួយព្រឹកនេះទល់នឹងពេលសម្រាកដំណងជាក្រុមតែតំណាងថាប្រញ្ញាងើបឈរហើយនឹងភាគីម្ខាងទៀតងើបឈរប៉ុណ្ណោះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេសូមលោកនាយកបានច្បាស់លាស់ហើយឲ្យបានសពគ្រប់ទៅហើយភាគីម្ខាងទៀតតបទៅអង្គជំរះនឹងសម្រេចលើបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់តែម្ដង Mr. President, is document D226/1/4.3.1 on any required list? Alors là, Monsieur le Président, je suis désolée, mais les bras m'en tombent. Nous avons utilisé ce document de façon extensive lors de la comparution de Monsieur Schomburg. Donc là, si Monsieur le coprocureur découvre ce document, j'en suis désolée, mais peut-être que son confrère pourra lui confirmer que ce document a été utilisé de façon extensive lors de l'interrogatoire. Et je pense que l'ensemble des parties et la Chambre s'en souviennent. Est-ce que, Monsieur le Président, je suis habilité à continuer? Je n'en suis toujours qu'à la première page de mon interrogatoire compte tenu des objections particulièrement multipliées de M. le coprocureur. Et grâce à l'aide de mon équipe, l'audience du 7 juin 2013, c'est à 11h32 que nous avons évoqué ce point avec M. Schomburg. Mais encore une fois, le mieux est l'ennemi du mien. J'aurais pu poser ma question tout simplement en ne donnant aucune référence. Le fait d'avoir voulu donner de références pour aider les partis pose plus de problèmes. Est-ce que, Monsieur le Président, ces clarifications étant faites, je suis amené à pouvoir continuer mon interrogatoire? Je vous remercie. Donc, Monsieur Eder, désolé de vous avoir interrompu. La question était donc la suivante. Je ne sais plus si vous aviez répondu, je ne pense pas. Est-ce que vous vous souvenez avoir assisté le 1er mars ou d'ailleurs à d'autres dates à des bombardements de la flotte aérienne de l'ONU? Yes, particularly by Khmer Republic Air Force T-28 aircraft and some other aircraft as well, but primarily T-28s. Je vous remercie de ces précisions. Je passe maintenant à un autre point.
À l'audience du 11 juillet dernier, vous avez évoqué avec Monsieur le co-procureur un rapport de renseignement de la République Khmer. Alors, il s'agit du procès verbal d'audience provisoire. Et là, je précise que c'est en anglais à 14h15 et 14 secondes. Je précise que c'est en anglais parce que, à ce moment-là, Monsieur le Président, il y avait des problèmes de traduction en français, et c'est pour cela que je souhaiterais revenir avec vous sur ce moment-là, Monsieur le témoin. Vous aviez donc évoqué un rapport de renseignement de la République Khmer qui donnait une sorte d'organigramme du mouvement communiste et notamment un organigramme militaire. Je retrouve le passage exact et je vais être obligé de vous citer en anglais pour que toutes les personnes puissent suivre. Donc, sur le procès verbal d'audience provisoire en anglais, page 82, un petit peu avant 14h15, le procureur vous pose la question plus précisément de si vous vous souvenez quelle était la structure militaire. Et voilà ce que vous répondez. Et à l'intention des interprètes, je vais passer malheureusement avec un mauvais accent en anglais. Well, in at least some of these materials, Salazar was at the top. And that was something which there was some dispute within the intelligence community about who he was and how accurate that was. But after the reporting done by Ung Thum, who had been on the fringe of the party apparatus and then defected to the Khmer Republic side, did some reports for Khmer Republic intelligence and then published a book where he identified Salazar as the head of the communist movement. That was pretty much accepted in the intelligence community. For that, as it was a special zone, my recollection was, in those days, Van Vet was identified as the head of the special zone. But one of his other aliases, I think Sotwet, name was used in the documents. Certainly, Tamok was mentioned. In the East, certainly Sopim was mentioned as the head of the zone, I think by one of his aliases, Vanna, Sovanna, and the other zone secretaries for the most part were accurately identified. Mom in the Northwest, and so on. Fin de citation. Est-ce que, monsieur le témoin, vous vous souvenez tout d'abord de ce passage? En français, il n'avait pas été traduit, donc c'est important de revenir dessus. Et je voulais revenir sur ce que vous avez indiqué dans cette réponse, à savoir que Salazar était au sommet de cet organigramme, quel était son alias révolutionnaire? In that document, I don't think any alias was given, and certainly not the alias by which he was subsequently publicly known. Pol Pot was not in that document.
I can confirm that I never heard of that alias until the name was made public once the regime was in power. So before April 1975, I certainly never heard that alias applied to anyone. Et vous avez indiqué lors de votre réponse que c'était une... Il y avait des discussions autour de la réalité ou non du fait que Salo Tsar était à la tête du mouvement. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces discussions? Qu'est-ce qui troublait les gens de la communauté du renseignement à cette époque-là, selon votre expérience des faits? Attempts at analysis or the gathering and analysis of intelligence about the leadership of the Khmer Rouge went through several stages, as it was described to me by people in the embassies who had access to intelligence. And initially, for example, in the U.S. Embassy, it was insisted that those known as the three ghosts, which included, of course, Khieu Somphon, were in fact dead, and that therefore the photographs that had been produced of them after March 1970, presenting them in formal terms as leadership of the Grunk and the Funk, were fakes. Subsequent to that, eventually it seemed to be accepted that they were not dead but alive. And then there was some discussion, again as reported to me, about whether or not they held positions of real power, and there wasn't certainty, as I recall, in the circles about that issue. And there was also a raging debate which related to this question of who was in charge at the very top about the extent of Vietnamese and, to a certain extent, Chinese influence. And the debate was essentially about whether or not the Khmer Rouge were independent of Vietnamese communist leadership. And for a long time I was told, CIA, to cite one intelligence agency, continued to insist that the Khmer Rouge movement was under Vietnamese communist control and leadership. I think that view, as I recall from what I was told, was disputed by some of the analysts on the ground, as often occurs in intelligence situations. In my experience from what I've been told about such things, there's often a split between those who do the actual analysis on the ground and the higher ups in the organization. But increasingly, as I indicated in my previous testimony, it seemed to be accepted first that the three ghosts were not the top leadership. Second, that the top leadership included the likes of people like Salot Sar, Nguyen Chia, Tam Mok, Vorn Vet, Goi Thuyn was also frequently mentioned. And increasingly, at least, I was told within the U.S. Embassy intelligence community, it was believed that the Khmer Rouge were not under Vietnamese control. There were theories that Yen Seri, because he was a Khmer crown, was therefore under Vietnamese control, or Sun Sen, because he was Khmer Crown, was under Vietnamese control. Nobody seemed to have a clear idea who Salot Sar was. There was some discussion of Nguyen Chia. But from what I heard at the time, it seemed that this was pretty much sheer speculation.
So those were, as I recall it, the terms of the debate. And I recall it rather specifically because I don't remember whether I talked about this in my previous testimony, but one of the stories I was asked to do immediately before and immediately after 17 April 1975 by my Time magazine editors in Saigon, Hong Kong, and New York was about specifically about the Khmer Rouge leadership issue. And I wrote a piece which took the position that the best available evidence in the non-legal sense of the word indicated to me that the Khmer Rouge leadership was not under Vietnamese control, that this was an independent political organization pursuing its own path. And that story never appeared, I was told by my senior editors in New York, because they went to CIA in Langley, and CIA in Langley told them I was wrong. Therefore, they didn't publish it. But the story was done, and it's the reason why I have some detail with regard to this debate. I went around asking people who were prepared to tell me what was going on in the intelligence community in this regard to these issues. I have a relatively clear memory of all of that. Vous avez évoqué, je passe à un autre thème, je reviendrai sur la question de ce que vous avez appris à l'époque et ce que vous avez appris par la suite dans le cadre de vos enquêtes sur ce leadership. Mais à l'audience du 10 juillet vers 14h08, le coprocureur a évoqué avec vous un entretien que vous avez eu avec Thun Prasit. Et c'est en évoquant le document E3-22, intitulé « Le communisme cambodgien et le modèle vietnamien ». Et lorsque vous avez évoqué la question à 14h08, monsieur le coprocureur évoquait la note de bas de page numéro 69, dans laquelle vous évoquez un entretien avec Thun Prasit du 8 et 9 septembre 1977 à New York. Et à 14h10, je vais peut-être répéter mes références, ça n'a pas l'air de vous rappeler quelque chose. À l'audience du 10 juillet à 14h08, vous avez évoqué avec monsieur le coprocureur international un entretien avec Thun Prasit. Est-ce que vous vous souvenez de ce point? There were several interviews I did with Thun Prasit. What I'm shaking my head about is the date that you mentioned. I don't think it's possible that I interviewed him in 1978. I don't recall whether he was part of the Yang Sari delegation that I met in New York in late 78. But if I did, if he was, I can't imagine, based on my current recollection, that I interviewed him about something like that at that time. Subsequently, yes, maybe 1998. Maybe there's a typo somewhere in the chain of transmission of this citation. Peut-être en effet, puisque je me réfère au... Alors en plus, en français, c'est New York, 8 septembre 77. Ce n'est pas 78, c'est 77. Je vais vérifier ce point par la suite. Donc, vous indiquez que, selon vos souvenirs, vous avez rencontré M. Thun Prasit après le Kampuchea démocratique. C'est bien ça. En tout cas, en attendant que je revienne vers vous avec les bonnes références, si celles des transcripts ne sont pas les bonnes, je voudrais savoir, je voudrais vous rappeler d'abord ce que vous avez dit à l'audience ce jour-là, donc 10 juillet 2013, entre 14h08 et 14h10. Et
lors de cet entretien, donc, que nous daterons plus tard, mais vous avez indiqué que vous avez paraphrasé Tacite quand vous évoquez un à propos de Kyo Sampan, un poste consistant à travailler comme une sorte de secrétaire personnel de Nguyen. Et interrogé sur ce point par M. le coprocureur, vous avez indiqué, donc j'ai paraphrasé Tacite, il a sûrement dit quelque chose de très similaire, mais je ne jurerai pas que c'est exactement l'expression utilisée. Ma question est la suivante. Est-ce que, là, en dehors, je ne parle pas de vos éventuels entretiens avec lui dans le cadre de vos recherches universitaires, mais simplement dans le cadre de votre travail au sein des bureaux des coprocureurs ou des coaches d'instruction, est-ce que vous avez eu vent d'un PV d'audition de Tune Tacite en date du 8 juin 2009. Est-ce que vous savez s'il a été interrogé? Est-ce que vous vous souvenez s'il a été interrogé et si vous avez eu accès à ce document? Yes, of course, I was aware of the document. I didn't do the interview myself. My recollection is the interview was done in France by investigators of the office assigned to that task. As a matter of course, I would probably have been involved in helping work up briefing materials for those investigators. I don't have any record of any of that, obviously. And they did the interview, the PV went on the case file, I read it on the case file, I had access to the case file in those days, and I'm not really sure I have a lot more to say about it. Yes, I was aware, yes, I was probably involved at some level in the preparatory work leading to the interview. Yes, I read it once it was done. Oui, alors en fait, je suis désolée, enfin, que ce soit clair, M. Eder, à chaque fois que je pose des questions, ce n'est pas forcément pour vous demander un point précis. Je vous demande, est-ce que vous vous souvenez? Un oui me suffit tout à fait, parce qu'après, si vous me donnez la base de l'utilisation de ce document, je peux l'utiliser. C'est le but de ma question, que ce soit clair. Donc, vous avez évoqué avoir, en tout cas, travaillé sur ce matériel, et donc avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse remettre ou mettre à l'écran, afficher à l'écran si c'est possible, le document E3-96, qui est donc le PV d'audition de Tune Tacite du 8 juin 2009 à Paris. La page qui m'intéresse est l'URN en français 00342220. L'URN en anglais 00346945 et l'URN en Khmer 00348329. Pour peut-être l'aide de tout le monde, il s'agit d'un document qui est, enfin le paragraphe que je souhaite évoquer est à la dernière page, en tout cas en français. Mr. President, this document was not downloaded. It was not on an email sent from the Kyo Sampan team at 6:40 yesterday, or on an updated email sent after that, certainly on the information that I have. So I object to this document being shown, as it's not been uploaded, and we have no advance notice of it. C'est une
certainement un oubli regrettable de ma part. Je demande à la Chambre la même souplesse dont elle a fait preuve le 3 juillet dernier en autorisant Monsieur le coprocureur à présenter des documents qui n'avaient pas été mis dans l'interface. Éventuellement, si ça peut faciliter les parties, je n'ai pas de problème à revenir sur ce document un petit peu plus tard pour qu'il permette d'en prendre connaissance. Mais en l'occurrence, c'est bien un document E3. Ça parle de Thun Prasit qui a été interrogé par les témoins et ça parle également de M. Kyosampan. Donc c'est particulièrement pertinent. Encore une fois, si je ne l'ai pas mis dans l'interface, je pense que c'est un oubli de ma part et j'en suis désolé, mais je pense que comme l'a rappelé Mme le juge Cartwright à l'audience du 3 juillet dernier, nous pouvons faire preuve de souplesse dans certains cas et ce n'est qu'un oubli par rapport à la masse documentaire importante qui est présentée à M. Eder. Si la Chambre souhaite que j'évoque ce document et je ne souhaite que évoquer un paragraphe particulier par rapport à ce que dit M. Thun Prasit de ce qu'il savait des fonctions de mon client. Et je pense que c'est un point extrêmement important à aborder. បាទហើយអង្គជំរះអនុញ្ញាតដោយសារបញ្ហាឯកសារនេះគឺមានកំណត់ទៅលេខ E3 E3 ហើយបញ្ហានេះក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងរួចហើយហើយអង្គជំរះក៏បានមានការបត់បែនហើយអនុញ្ញាតឲ្យភាគីយកមកដេញដោលនៃចំពោះមុខអង្គជំរះដែរដូច្នេះអង្គជំរះអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវី Miền bản nhà giai lục Steve Hedder. I've got the Khmer. In this particular instance, I'd prefer the French or even the English on my screen. Peut-être que... On va essayer de vous imprimer une version en français de la page, si vous voulez patienter quelques instants. Je vais d'abord vous lire le passage, comme ça vous pourrez vous y référer par la suite. Ça va permettre de gagner du temps puisqu'il faut faire les traductions. Donc c'est... je vais déjà citer les ERN. La question qui est posée... Vous voulez intervenir ? Bien, je poursuis. Donc la question qui est posée lors de cette audition à M. Thun Prasit est la suivante. Question, connaissiez-vous Kyosampan ? Réponse, je ne me rappelle pas avoir connu cette personne en France. C'est au Cambodge que j'ai connu son nom lorsqu'il a lancé le magazine L'Observateur. Il m'est arrivé d'écrire des articles dans ce journal sous le pseudonyme San. Kyosampan avait une réputation de personne intègre. À Phnom Penh,
J'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois. Il était ministre du Commerce, député. Il a connu une carrière politique sous Sihanouk et Pol Pot. Il était docteur en économie. Je ne sais pas s'il a été un membre du comité central, bien qu'il ait été président du présidium. Avant 1975, il était vice-premier ministre du GRUNC et commandant en chef des armées. Titre bidon, car c'était Pol Pot qui était le vrai commandant. Toujours à cette même période, lorsqu'il se déplaçait à l'étranger, c'était Yeng Sari qui avait le pouvoir, alors que Kyo Sampan était le chef de la délégation. Lorsqu'il y a eu une délégation dirigée par Yeng Sari, ce dernier avait le vrai pouvoir. Fin de citation. Maintenant que j'ai fait la citation, je peux vous donner mon exemplaire en français, si vous souhaitez pouvoir le consulter avec l'aide de M. Lucier. Première question avant que le document vous parvienne. Est-ce que vous vous souvenez avoir... est-ce que c'est bien le document que vous avez pu consulter dans le cadre de votre travail au sein des CETC? I'm not sure what you mean by consulted. I saw this document, but I don't think I had any role in analyzing this particular document or otherwise its processing. Oui, donc quand je dis consulter, ça veut dire examiner. Ma question maintenant va porter sur le fond de ce qui est dit par M. Thuong Prasit. Nous avons évoqué tout à l'heure le rapport de renseignement sur l'organigramme de l'armée. Dans cette déclaration, M. Thuong Prasit explique que le titre de commandant en chef des armées de M. Kyo Sampan était bidon. Est-ce que cela correspond aux analyses, enfin aux documents, aux entretiens, aux éléments factuels que vous avez pu avoir en main ou comme information que vous avez pu recevoir, que ce soit pendant la période où vous étiez au Cambodge ou par la suite dans le cadre des enquêtes que vous avez eu à mener, soit au bureau des coprocureurs, soit au bureau des coges d'instruction, ou dans vos recherches factuelles pour vos écrits. Yes. Je passe maintenant à un autre point. Je vérifie que... Oui, excusez-moi, un autre point sur la formule dont vous n'étiez pas sûr que Thuong Prasit avait... utilisé le secrétaire personnel de Nguyen, que vous avez évoqué lors de votre audition le 10 juillet dernier avec M. le procureur. Est-ce que vous avez eu d'autres éléments factuels indiquant que Kyo Sampan aurait été secrétaire personnel de Nguyen? To my recollection, that's the only specific assertion of that alleged fact, if you will, that purported fact that I'm aware of. But there could be others, but that's the only one that I can currently think of. Un
Un autre thème maintenant, Monsieur Eder, vous avez évoqué l'audience du 11 juillet 2013 vers 14h21, toujours avec Monsieur le coprocureur. Vous avez évoqué les émissions de radio que vous entendiez et notamment vous avez évoqué la voix du fond. Et donc un petit peu après 14h21, vous dites, et je vous cite, de temps en temps, des émissions étaient présentées comme reproduisant la voix de Khieu Samphan ou quelqu'un d'autre avec un nom. Mais le plus souvent, c'était un speaker anonyme qui parlait. Fin de citation. Ma question est de savoir, comme vous avez évoqué la consultation fréquente, donc l'examen fréquent des rapports FBI, est-ce que dans ces rapports, il y avait une distinction entre les moments où c'était supposément la voix de Khieu Samphan et quand il s'agissait d'un speaker anonyme? Est-ce que quand vous consultiez les FBIS, vous pouviez faire la différence entre ces deux manières de procéder à la radio? Yes, normally it was specified in a heading to the report. Et lorsque on lisait in extenso une déclaration de Khieu Samphan, est-ce que dans vos souvenirs, on disait l'annonceur va lire maintenant une déclaration de Khieu Samphan ou est-ce que ce n'était pas aussi précis que cela? I don't recall instances in which someone introduced the speaker and then the speaker spoke. Either there was a headline specifying that the speech was a speech of someone, for example, Khieu Samphan, or alternatively, there was an editorial addition by the FIBIS monitors and editors indicating, as I said, read by announcer, recorded voice of Khieu Samphan, and I can't speak to how it was that they made that decision, how they reached that conclusion, but it was a standard part of the added editorial comments of either the monitors or their editors at FBIS. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant en venir à un autre thème. À l'audience du 11 juillet 2013, à peu près vers 10h08, répondant à la question de une question de Monsieur le procureur, vous avez indiqué, en parlant de la mise en œuvre de la politique du parti, vous avez indiqué ceci. Dans les interviews, les gens décrivaient la politique officielle comme étant telle qu'elle était énoncée ici dans les documents. Mais en même temps, au cours des interviews, les gens disent souvent que la politique officielle et les structures officielles ne fonctionnaient pas comme elles étaient censées fonctionner sur papier. Je voulais vous rappeler cette déclaration pour la mettre en parallèle avec un passage de votre article, le long article « Réévaluation ». Je donne les références du document. E190.1.398 et le titre, et je ne le dirai qu'une seule fois, et le suivant,
réévaluation du rôle joué par les hauts dirigeants et les responsables locaux dans les crimes commis sous le régime du Kampuchea démocratique. Deux points, la responsabilité cambodgienne située dans une perspective comparative. Je ne sais pas si vous avez le document encore avec vous ou s'il faut que je vous remette. Vous ne l'avez pas, donc je vais demander avec l'assistance de M. Huissier. Je suis désolée, M. Huissier, je vais vous faire travailler aujourd'hui. Je remets un classeur dans lequel il y a deux... Donc, pour information pour la Chambre et les parties, je remets un classeur dans lequel il y a deux documents, Pol Pot et Khieu Samphan, document D366-7.1.1.14, et l'article en question, réassessing, réévaluation en français, E190.1.398. Ces documents sont en anglais, je vous précise, qu'on vous les remet en anglais. Donc, le passage qui m'intéresse dans cet article se trouve à l'URN suivant en anglais, pour vous permettre de vous y référer, l'URN en anglais, c'est le 00661462, et ça se poursuit sur la page suivante. Le RN en français est le 00792921, et ça se poursuit sur la page suivante. Et en Khmer, le RN est le suivant, 00830768, et ça se poursuit également sur la page suivante. C'est un... Donc en français, c'est la page 9 également. Et c'est un paragraphe dans lequel vous parlez du peuple nouveau. C'est une citation qui est un peu longue, donc je vais essayer de prendre mon temps pour les interprètes. Voilà ce que vous dites dans cet article. Pour faire du peuple nouveau une composante stable d'un bloc monolithique de solidarité avec le pouvoir étatique révolutionnaire, les cadres locaux avaient pour instruction de se situer à l'égard des évacués dans une perspective d'ouverture en faisant preuve de souplesse et d'indulgence vis-à-vis d'eux et en ne les considérant en aucun cas comme des prisonniers de guerre. Ils devaient aussi prévenir l'intolérance entre le peuple ancien et le peuple nouveau, en les faisant travailler côte à côte dans une ambiance de bonheur et de solidarité. Je m'arrête à ce point-ci pour préciser qu'il y a beaucoup de citations et je vais revenir sur ces citations et ces notes de bas de page. Mais je lis le paragraphe in extenso. Je poursuis. Il devait améliorer le niveau de vie du peuple nouveau pour lui montrer que ce régime était le sien. Veiller à ce que le peuple ancien lui fasse bon accueil et partage avec lui les terres, le bétail et la nourriture. Les anciens ne devaient pas profiter du travail du peuple nouveau, mais soutenir ceux qui viennent tout juste d'arriver à la campagne avec pour seul bagage leurs mains nues, montrant ainsi leur absence totale de préjugés à l'égard des nouveaux venus. Le peuple nouveau et le peuple ancien devaient donc vivre, travailler, étudier, s'amuser, jouir de la prospérité ou souffrir de la faim ensemble dans la collectivité que constituent les coopératives. Les cadres étaient prévenus. Une véritable rééducation du peuple nouveau exigeait du parti qu'il fasse la preuve que la révolution pratiquait vraiment l'égalité économique prônée. Cette politique était transmise aux organes locaux du parti
sous la forme des instructions suivantes. Les évacués doivent être considérés comme faisant partie intégrante du peuple cambodgien et non comme étant tous des ennemis. Il faut donc prévoir de la nourriture, de l'eau et un gîte pour les évacués, tuer des animaux, donner des aliments aux évacués et du riz provenant de la coopérative. Fin de citation. Dans le cadre de ce paragraphe, comme je l'ai indiqué plus tôt, il y a un nombre important de citations entre guillemets et vous mettez en note de bas de page certaines de vos sources, enfin, étant précisé, si j'ai bien compris, et c'est ce que je vais vous demander de confirmer, que vous avez travaillé sur la base de documents en Khmer et que c'est vous qui avez effectué la traduction. Ça, c'est ma première question. Yes, I've worked from the original Khmer, made my own translations, and incorporated those quotes from my translations of those original Khmer documents. Alors, les notes de bas de page qui constituent la base de, du paragraphe que je viens de lire s'étendent de la note 31 à la note 41. Et je vais, le but, puisque le but avec vous est de voir comment vous avez compulsé certains documents et les évoquer, je voudrais, quand j'ai pu retrouver, ça j'en informe la Chambre, quand j'ai pu retrouver ce qu'il me semble être le fondement de cette note de bas de page dans le cadre de document E3 versé devant la Chambre, je voudrais pouvoir avoir l'autorisation de montrer ces documents à M. Eder pour qu'il me confirme que c'est bien sur ce document qu'il a travaillé pour arriver à la rédaction de ce paragraphe. Le premier document qu'il me semble avoir retrouvé au niveau du dossier est le document E3/216. Et vous le, dans votre note de bas de page, vous indiquez, et c'est en anglais, donc je suis désolée, je vais citer cette note de bas de page 31 en anglais. Record of the Standing Committee Tour of the Northwest Zone, 20-24 August 1975. Je souhaiterais donc pouvoir remettre ce document en Khmer, puisque M. Eder a priori a travaillé sur le document en Khmer, afin qu'il puisse en prendre connaissance et confirmer si c'est bien sur ce document qu'il a travaillé pour ce paragraphe. Avec l'aide de je vous laisse le temps de le compulser, mais je vous informe déjà que je veux simplement être sûr qu'il s'agit bien du document que vous avez utilisé dans le cadre de la rédaction du paragraphe que je viens de citer de votre article. Est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance ou est-ce que vous avez besoin de plus de temps? Um,
Yes, same document. I note, however, that this version appears to be incomplete. It ends on page 7 with a new heading for which there is no subsequent text. I don't recall that the document upon which I worked or from which I worked was incomplete, so there may be additional text in the document from which I worked which doesn't appear here. D'accord. Ma question est la suivante par rapport à ce que vous avez indiqué dans votre dans l'ensemble de ce paragraphe que je viens d'évoquer avec vous. Nous sommes d'accord que les parties entre guillemets sont toutes des traductions de ce que vous avez trouvé en Khmer dans des documents émanant du régime du Kampuchea démocratique. Comme ce document E3/216. Yes, documents that came to me either via DC CAM or in some instances David Chandler. Vous avez évoqué également, là je vois, c'est la note 32 que je n'entends pas vous montrer, mais dans la note 32, il y a comme document, dans note de bas de page 32, un document évoqué qui est carnet de notes du Kampuchea démocratique. Ma question est de savoir s'il s'agit du fameux carnet de notes de cadre que vous avez évoqué dans le cadre des questions posées par M. le coprocureur. Yes. Dans la suite des notes de pas de page, la note 33, là encore, je suis obligé de citer en anglais. Document number 3. Examination of the grasps on and the implementation of the political line on restoring the economy and setting up national construction in every domain. Je repasse en français. En date 19 septembre 1975. Est-ce que vous vous souvenez de ce document? Et est-ce qu'il s'agit également d'un document qui a été donné par DCCAM ou par David Chandler? Yes and yes. En ce qui concerne la note de bas de page 34, alors cette fois-ci on l'a en français, compte rendu de la visite effectuée par le comité permanent, on est bien d'accord que c'est la même référence que la note 31 où il s'agit d'un autre document. Same. Concernant la note 35, à nouveau en anglais. The great victory of 17 April 1975 was the victory of solidarity and unity with our Kampuchean people and population. Kampuchean Front, et je repasse en français, outre. 1975. Là encore, ce document que, a priori, je n'ai pas retrouvé dans le case file, est-ce qu'il s'agit d'un document qui vous a été fourni par DCCAM et David Chandler?
I believe this document was among the scattered collection of party documents that was at the Tuol Slaeng Genocide Museum, and of which I either got a duplicate original or a photocopy sometime between 1980 and 1989, but I suspect 1980-1981. I think the same document is also in the possession of Philip Short, either, again, an original or a photocopy. This one, looking at it, probably a photocopy, because that would explain why the pagination is missing. If the photocopy was done quickly in a situation where there was poor photocopy facility available, could have been cut off during the photocopying in haste. So probably in this instance, not an original, but a photocopy. La note numéro 36, a priori, nous ne l'avons pas retrouvé, mais même question. Cette note, alors, en anglais toujours, je suis obligée. The bright future of the new Kampuchea's economy, Kampuchean front, et je repasse en français. Août 75, là encore, c'est le même type de document que celui que vous venez d'évoquer, à savoir un document qui était dans la collection éparpillée et où il n'y a pas de numéro de page parce que la photocopieuse était défectueuse. Bien. Je passe maintenant à la note 37. Qui, sur votre document, et là je suis obligé de repasser en anglais. Cambodian youth must forge and refashion themselves in the movement to strengthen and expand production cooperatives in jeunesse révolutionnaire. Cette note 37, a priori, a un numéro et 3, et je souhaiterais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, que l'on puisse fournir à Monsieur Eder la copie en Khmer pour qu'il confirme que c'est bien dans ce document qu'il a trouvé les références pour cette partie de son article, avec l'aide de Monsieur Bissier. Je vous demande de le consulter et de nous indiquer si c'est bien sur ce document que vous avez travaillé. Yes. Could I just ask for the E3 number, please? E3729. Je l'avais indiqué, mais je la répète. E3729. Je passe maintenant à la note, je saute la note 38 parce que je ne suis pas sûre de l'avoir en copie. Alors, je passe d'abord à la note 39 et je reviendrai à la note 38 qui est en cours d'impression. Mais la note 39, a priori,
serait le document E3-750. Et je souhaiterais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, qu'on puisse, comme précédemment, lui montrer, savoir si c'est bien sur ce document qu'il a travaillé. Je suis désolé, Monsieur l'huissier, Est-ce que vous reconnaissez ce document? There seems to be some discrepancy. It doesn't seem to be the same document. Yes. It's in the table of contents. I'm trying to leaf through to find whether it's actually in the photocopy you gave me. There. Je vous remercie de cette précision. Le numéro la note numéro 40, non, on n'a pas trouvé. Effectivement, en note 41, vous citez, et ça vous l'avez déjà évoqué dans le cadre de votre de vos réponses à monsieur le procureur et d'ailleurs aux parties civiles également, vous évoquez les interviews que vous avez eues avec les réfugiés à la frontière cambodgienne. En note 41, ça fait partie aussi des sources qui ont été à l'origine de ce paragraphe dans votre article. Vous confirmez, nous sommes bien d'accord. Un dernier document, c'est la note 38 que je n'avais pas pu vous montrer en Khmer, et c'est le dernier document en note de bas de page que je souhaite vous faire reconnaître. Il s'agit du document E3-747, et avec l'autorisation de Monsieur le Président et l'aide de Monsieur l'huissier, que je suis désolé de mettre autant à contribution ce matin, je souhaiterais qu'on remette ce document à Monsieur Eder afin qu'il la confirme qu'il s'agit bien du document sous la note de bas de page 38. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Est-ce qu'il a bien servi de base à la rédaction de ce passage de votre article? I'm sorry, which footnote are we talking about? 40. Non. Pas forti parce que on l'avait arrêté. Je suis revenu à la 37
38, pardon, qui n'était pas disponible, la note de bâche 38. Monsieur le Président, ce n'est pas le même document. The one you presented me is number 8, August 77, the one cited in the footnote, the special number, October, November 75. So it's the wrong document entirely. And while I've got the mic, the document number 6 cited in footnote number 40 that you said you couldn't identify, that's the same document as is cited in full in footnote 29. Merci de ces informations. Je termine, Monsieur le Président, sur cette ligne de questionnement. Je n'ai qu'une seule question et après, je pense qu'il sera. Vous voudrez marquer la pause. Donc, nous sommes d'accord que les consignes que vous avez évoquées dans le paragraphe que je vous ai lu tout à l'heure de votre article, ce sont des consignes que vous avez retrouvées dans ces différents documents du Kampuchea démocratique et que vous avez cités. C'est bien ça. Yes, I mean, to be specific, various Communist Party of Kampuchea documents, one front document, and then there's the one interview in addition. But yes, overall, yes. Monsieur le Président, je souhaite passer à un autre aspect, si vous souhaitez marquer la pause maintenant. Somme jeune grand-chère.